Elles sont des femmes, sénégalaises ou d'origine sénégalaise, aux profils divers et provenant de diverses classes sociales. Pendant une heure, et sur un ton intimiste, nous interrogerons avec elles leur place, de celle qu'on leur a assignée à ce qu'elles en ont fait, vie, parcours, conception du monde et des rapports sociaux. Je suis Oubida Fall et vous êtes dans le podcast Conversation féminine. Présidente fondatrice de We Capital, administratrice indépendante de la laiterie du Berger, membre du conseil d'administration de Tostan, administratrice indépendante de Far Limited, administratrice indépendante de Pédounia, fondatrice et membre du conseil d'administration du Women Investment Club, membre fondateur du Club des investisseurs du Sénégal, ancienne administratrice indépendante de UBA, ancienne membre du conseil d'administration de l'ISD, ancienne managing partner de Deloitte Sénégal qu'elle a fondé. Quand on déroule son parcours professionnel, le premier adjectif qui vient à l'esprit est impressionnant. Impressionnant par la richesse du parcours, le sacrifice et l'abnégation qu'ils ont dû représenter. Son nom est connu partout en Afrique et à travers le monde pour son expertise dans la gouvernance d'entreprise, la conformité et la gestion des risques. Une carrière bâtie dans différents secteurs comme la finance ou les opérations, la distribution, la technologie ou le commerce de détail et les services. Le grand public, comme moi, découvre ces dernières années avec le lancement du Women Investment Club, premier club d'investissement de femmes au Sénégal, regroupant à ce jour 83 membres. Tiaba Camara Sy, bienvenue dans Conversation féminine. Merci beaucoup Zoubida de m'avoir invitée. Merci d'avoir accepté de me recevoir pour cette conversation. Et en règle générale, ce que je demande en premier, c'est de dire au-delà de tout ça, de ce qu'on peut lire et de ce qu'on peut voir de Tiaba Camara, qui est Tiaba Camara? Je me définis toujours comme la petite sahélienne. qui a quitté son pays juste sur une fenêtre de quelques années pour aller faire mes études à l'étranger. Et je suis revenue très vite et j'ai vraiment compris, je découvre que ce pays, le Sénégal, est nécessaire et vital pour moi. Je m'éteins quand je suis loin du Sénégal. Donc oui, ma première définition, ce serait celle-là. Ce serait celle-là. Cette sahélienne, oui, qui est partie un court temps, mais qui ne peut pas vivre loin du Sénégal. Voilà, et qui a une passion, oui, pour son pays, pour sa tradition, sa culture, ses valeurs. Oui. J'ai énormément d'admiration, mm-hmm, pour notre génie créatif, pour tous les mécanismes que nous avons su mettre en place, mm-hmm, au fil des siècles, hein, pour créer une société qui, à la base, était une société matriarcale. Oui. Où plus on était vulnérable, plus on avait de privilèges. Mm-hmm. Et je pense que c'est ça que, aujourd'hui, les gens semblent avoir perdu de vue. On nous a, bon, à travers la colonisation française, mm-hmm, on nous a coupé de ces racines. Tout ce que nous gardons, c'est dans la langue, dans l'organisation familiale, dans les pratiques, mm-hmm, culturelles, mm-hmm, notre réalité matriarcale sur laquelle on est allé imposer des lois et des, voilà, façons d'agir et de, oui, penser qui relèvent du patriarcat et qui ont été complètement importées. Je comprends parfaitement. Et moi, ce que ça m'inspire, en fait, c'est que quand je vois un peu le fil conducteur, surtout de ces dernières années, je vous ai vu beaucoup vous investir dans l'accompagnement de jeunes pousses, comme on peut les appeler, en termes d'entreprise. Mais toutes, on parle d'entreprises locales, d'entreprises sénégalaises. Vous avez fondé le club d'investissement que pour les femmes. Et la première chose que vous me dites, c'est de se recentrer par rapport à ce que nous sommes en tant que pouvoir aux femmes, par des femmes et transmis par des femmes. D'où vous vient plus ou moins cet engagement? D'où vous vient cette notion ou cette sensation très forte qu'il faudrait que nos voix s'élèvent?
De mon enfance, j'imagine. Hein. Je suis vraiment l'exemple parfait du melting pot. Oui. Sénégalais. Je me définis comme métisse, les bouboles bol. Ah oui, quand même. Avec une ascendance peul, des origines soninké, enfin le mélange du Sénégal. Du Sénégal. Et j'ai été élevée dans une famille de filles. Nous sommes 4 sœurs, dont je suis l'aînée. Vous n'avez pas de frère? Je n'ai pas de frère. Et mon père a eu 4 sœurs et un frère qui est décédé très tôt. Donc, mon père aussi a grandi entouré de femmes. Entouré de femmes. Oui. Et très, très tôt, j'avais conscience de cette... moi, c'est comme si j'étais à ma fenêtre et que je regardais le monde extérieur avec les garçons, les hommes qui évoluaient, et que je réalisais la différence de traitement et de privilège. Parce que toute petite, bon, en plus, étant l'aînée, j'ai tout de suite été responsabilisée. Il n'y a pas un grand écart d'âge entre mes sœurs et moi, hein, parce que ma mère nous a fait... à la queue leu leu. Nous sommes 4 entre moi et la quatrième il y a 4 ans. Ah oui. Donc, elle a fini de faire ses enfants et elle est retournée continuer ses études à la fac. C'est nous avons été élevées donc par des grand-tantes. Oui. Il y a toujours eu une mame à la maison. Et puis des cousines, des tantes. Et c'était un milieu très feutré, très féminin, mais en même temps que je percevais très... le mot Wolof qui me vient, c'est bis. Waouh. Parce que, évidemment, bon, j'ai l'impression que ça ne se fait plus, mais j'ai vraiment élevé à l'époque les filles, elles restaient... à la maison, gâte tank, gâte la mine. Donc, c'est le bon day. Voilà. Donc, c'était les tâches ménagères. Oui. C'était donc de s'occuper des plus jeunes que soi. Et aussi du travail à l'école. Et avec très, très tôt, tout le temps, ces rappels. Qu'une fille doit être irréprochable, une fille... Il y a même, je pense, une sorte de stoïcisme que nous développons. Quand on se brûle à la cuisine, on ne crie pas, on ne pleure pas. On n'évite pas les tâches difficiles ou dures. Sinon, c'est signe de... Nyakoyom, quoi. Ouais, voilà. Et puis, c'était chaque fois de nous dire... Par fierté, par dignité, tu ne devrais pas refuser de faire ce que d'autres acceptent, comme toi, font et supportent dignement. Oui, c'est un poids, je trouve. J'ai reçu, on va dire dans une moindre mesure, une éducation de ce type où très tôt, le fait d'être une fille faisait en sorte que tu dois faire un certain nombre de choses. Ça. Tu dois balayer, oui, tu dois faire la cuisine. Absolument. Et très tôt, à un âge très, très tôt, où peut-être la préoccupation du petit garçon, ce serait d'aller jouer au foot ou, bah oui, de végéter, des fois, de végéter tout simplement. Ça. Oui, mais... et du coup, moi, j'ai l'impression que quelque part, il y a eu une construction en opposition, parce que quand je vois tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez réalisé, comment on retrouve les choses? Non, mais ça part d'un constat et de ce sentiment de profonde injustice. Oui. Donc, j'ai été élevée de manière très, très stricte. Hein. Je voyais bien qu'autour de moi, on ne demandait pas la même chose aux garçons. On ne leur demande pas la même chose. On leur tolère des choses auxquelles on ne penserait pas au dixième. Non. Nous. Et puis, je voyais qu'à l'école également, tout le temps en tête de classe, c'était des filles. Oui. On était les meilleurs. Mais alors,
tout mon primaire, je l'ai passé à Jeanne d'Arc. Mm-hmm. Et mes parents se sont dit que, bon, quand même. Bon, et à l'époque, Jeanne d'Arc n'accueillait que des filles. Oui. Et donc, j'ai fait mon secondaire au Mariste pour pouvoir grandir en côtoyant des garçons, quoi. Mm-hmm. Et ça aussi, ça a été. Alors, donc, c'était le secondaire. J'avais une dizaine d'années quand je suis arrivée en sixième. Et puis, c'était l'âge bête, quoi, pour les garçons. Et c'était pénible, quoi. On dit maintenant qu'ils sont mal bêtes à cette période-là. Ah, là. Donc, je voyais autour de moi et puis je me disais, mais pourquoi est-ce que on me dit tout le temps et pourquoi on ne demande pas la même chose aux garçons? Alors, il y a juste dans le domaine du sport où j'étais quand même contente d'être une fille parce que là, je trouvais que les entraîneurs étaient souvent moins durs, moins exigeants. Bon, ça dit beaucoup de choses aussi. Oui, mais en tant que fille, je pouvais à des moments craquer, pleurer, machin, alors qu'un garçon, ça n'a que le droit de... Voilà, un garçon qui pleure, ça fait bizarre. Mais c'est ça, un garçon ne pleure pas, un garçon doit supporter. Sauf si son match de... Si l'équipe de foot... favorite a perdu son match. Là, il peut pleurer. Okay. Mais passé 5 ans, un homme qui pleure, c'est très mal vu. Totalement. Alors que nous nous assumons mieux nos émotions et nous les exprimons, je pense, de manière beaucoup plus authentique. Authentique, saine, moi, je trouve, en tout cas. Parce que j'ai l'impression que les hommes, les garçons, on les a éduqués pour qu'ils ne puissent exprimer qu'une seule émotion, c'est la colère. Un homme qui explose, la force. Voilà. Ça montre de la force, de la domination. C'est quand même assez... Et moi, donc, je me souviens que ce soit de ma mère, de mes tantes, de ma grand-mère, mes grand-tantes, c'était toujours... les hommes sont très fragiles. Ils ont des égos... très fragiles. Très, voilà. Donc, il faut savoir les gérer. Oui. Une femme... bien éduquée, doit pouvoir interagir de manière très subtile, très courtoise, mais n'oublie jamais que la responsabilité de la famille repose sur toi en tant que femme. À la fin de la journée, si tes enfants réussissent, c'est très bien, c'est les enfants de tout le monde. Si tes enfants échouent, ce sont tes enfants à toi. Toute seule. Si quelqu'un vient dans ta maison et qu'elle est mal tenue... on s'en fiche si tu as du travail à l'extérieur, c'est que tu es une mauvaise maîtresse de maison. Si ton mari fait des bêtises à l'extérieur, c'est normal, c'est un homme, tu n'avais qu'à te débrouiller pour le retenir à la maison, c'est que tu n'es pas une bonne épouse. C'est ça. Donc, au bout d'un moment, ça a été... Je n'ai jamais été à l'aise dans des rôles de victime. Je trouve que c'est le pire des rôles dans le casting. Donc, quand une situation ne me plaît pas, j'essaie de contribuer à la changer. Et si ça n'est pas possible, je m'en vais et je vais faire autre chose à côté. Et ça a été la raison pour laquelle, bon, par exemple, au moment où j'ai créé mon cabinet d'expertise comptable, c'était avec la conviction que j'arriverais à prouver qu'on peut faire de l'excellent travail sans être stressé, sans avoir mal au ventre tout le temps, sans rapport de domination brutaux ou il y en a. Et j'ai réussi à prouver que ça pouvait se faire. Donc, c'est un peu cette façon de voir les choses qui m'a amenée à ça. Quelque chose ne me plaît pas, mais il y a sûrement une voie, il y a sûrement une solution. Un moyen. Et je suis prête à explorer, à essayer. Femme d'affaires, Kuma ke mumaila, alleluia dunuya. Femme d'affaires laido, Kuma ke mumaila, alleluia dunuya. Femme d'offira du fait laido ke, Grimano by Samoa. Sumamani japuli bipuji gen.
ngir ci ono waccu len femme de fer de fly de ke ngir meuna bay sama wa 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 suma meune jappeli bepo jige femme da felaido kuma ke mumaila ale. Et j'avoue, avec toute l'admiration que j'ai pour ce travail, que vous l'avez fait de fort belle manière, vraiment. J'ai dans mon entourage une jeune femme qui travaille en cabinet. Et la semaine dernière, déjà avant même de commencer à chercher à entrer en contact avec vous, je lui ai dit, je cherche à entrer en contact avec Tiaba Camara. Et elle me fait, c'est la référence absolue. Et elle a encore ça, elle, en tant que Sénégalaise, et j'en profite pour lui faire un grand, grand, grand bonjour. Elle était heureuse. Elle était heureuse de savoir ça, et elle vous voit. Et je vois ça dans les yeux de toutes les femmes qui se sont lancées dans la même voie que celle que vous avez choisie. De ces générations-là, de celles que vous avez choisies, ou d'autres générations, que vous nous ayez montré qu'il était possible d'être une femme, de faire les choses, de se tuer à la tâche. Je mets ça entre guillemets, mais de donner et d'arriver à ce niveau-là et d'avoir complètement fait exploser le plafond de verre. Je ne sais pas si dans votre parcours de vie, vous vous rendez compte à quel point c'est impactant. C'est à quel point c'est impactant pour nous de pouvoir avoir cette référence-là. Si vous vous en êtes rendu compte, comment vous le vivez? Je ne peux pas dire que je m'en rends compte. Vraiment, j'ai pas le. Mais ceci étant, chaque fois que j'ai été parmi les pionnières dans un mouvement, par exemple, au moment où je rejoignais l'ordre des experts comptables du Sénégal, je pense que nous étions peut-être 3 ou 4 sur une centaine de membres. Quand j'étais petite et que j'ai commencé à monter à cheval à un âge, je devais avoir une dizaine d'années. Mm-hmm. Et à l'époque, c'était un sport de garçon. Donc chaque fois qu'on sortait, c'était à la caserne Saint-Bédier-Rialo de Colobane. Mm-hmm. Et donc chaque fois qu'on sortait en promenade et que les gens nous voyaient, c'était « Hey, dig it, we were fast. » Aujourd'hui, c'est banal. Ouais. Et je dirais c'est même un sport qui s'est beaucoup féminisé. Donc partout, c'est ce genre cette sorte de responsabilité de dire on ouvre la voie, on n'a pas droit à l'erreur, parce que si on échoue, les conséquences ne sont pas seulement pour nous, mais pour toutes celles qui vont venir derrière. Et ça me fait plaisir chaque fois que j'ai le sentiment que j'ai des sœurs qui sont en train de prendre la relève. Elles le font de fort belle manière, vraiment, vraiment. Et c'est le moment, en fait, de pouvoir magnifier ce travail-là, en tant que pionnière, ce que vous avez été. Et toute cette image et cette positivité que vous avez réussi à renvoyer, qui permettent à d'autres femmes de pouvoir s'exprimer. Sachant que je dis ça très souvent, je dis, moi, mon objectif, c'est juste que toutes les femmes puissent s'exprimer, peu importe ce qu'elles ont à dire, mais qu'elles aient juste le droit de le dire. On a beaucoup d'injonctions de type, vous devez dire, non, tu es une femme, tu ne peux pas te permettre de dire telle chose, car si tu dis ça et que ce n'est pas bien, mais non, déjà le fait de le dire. Moi ça m'a toujours profondément irritée. Alors, ce pourquoi je suis reconnaissante à mes parents, c'est que ils m'ont inculqué, c'est-à-dire, quand on prend la langue Wolof, il n'y a pas de genre. Il n'y a pas, et c'est ça, c'est magnifique. C'est nit. Nit, wow. Voilà, dernier une nité. Que tu sois un homme ou une femme, c'est par rapport à l'être humain, à la personne et à sa manière de se manifester dans dans ce monde qu'on s'adresse, qu'on s'intéresse. Mais nous avons, je suis de culture Lébou. Jusqu'à aujourd'hui où on parle, les cérémonies traditionnelles, les Ndopo, les Baonan, mais c'est présidé par des femmes. Et quand des hommes ont le savoir et qu'ils peuvent officier, ils le font habillés en femmes. Toutes nos dans la langue, on dit « ndeyireo », on ne dit pas « baeyireo ». Et tout ça, j'ai l'impression que c'est dans un délai, un temps très court. Je ne reconnais pas le Sénégal dans lequel
j'ai grandi. Mm-hmm. Parce que moi, la notion d'une femme bâillonnée, qui n'a pas le droit de s'exprimer en public, je dis, mais ça sort d'où ? C'est pas nous, hein ? Ça n'est pas la culture négro-africaine authentique. Simplement, nous avons, et ça je trouve que c'est très dommage dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, les gens apprennent leur histoire. Ils apprennent leur propre histoire qu'ils ont écrite eux-mêmes. Nous, jusqu'à présent à l'école, on nous enseigne une histoire qui a été écrite par nos conquérants. Donc, en termes de des conquérants chez qui la place de la femme n'était pas du tout la même que dans nos sociétés. Oui. Nous ne connaissons pas suffisamment nos ancêtres et la manière dont ils... Et quand je parle des ancêtres, c'est même trop loin. Moi, je vois autour de moi, je vois ma mère, ses sœurs, enfin mes mères, hein, ça n'était pas du tout des femmes soumises, c'était pas non plus des femmes rebelles, quoi. Okay. C'est un autre genre de dévotion, de relation où chacun a sa place. Effectivement, une femme, c'est le creuset de toutes les valeurs d'un peuple. Une femme, elle est garante, et c'est pour ça que c'est la lourdeur de cette responsabilité là que j'ai perçue très tôt et pour laquelle je me disais, mais pourquoi on n'exige pas la même chose des hommes? Et aujourd'hui, je réalise que si on élevait de la même manière les petits garçons et les petites filles, le Sénégal serait un bien meilleur endroit à vivre. Ce serait un bien meilleur, serait un meilleur endroit à vivre, un meilleur état, etc. Parce que le sens de la responsabilité qu'on nous inculque très tôt. Je ne pense pas qu'on on ne l'inculque pas aux garçons. Non, ça j'en suis... On leur demande d'être fort, tout simplement. Mais ça veut dire quoi, et être en surface, fort? Voilà. Qu'est-ce qu'ils mettent dans être fort? Voilà. Il y a quelques jours, j'ai eu une discussion avec un ami où je lui disais tout simplement, je raconte l'anecdote depuis un moment, et si tu ne devais plus juste pourvoir aux besoins de ta famille, qui serais-tu en fait? Je crois qu'il doit être, il va pas bien depuis lors, parce que il dit qu'il a l'impression que c'est toute sa vie qui a été remise en question, et pourtant, nous en tant que femmes, on se réinvente tout le long de notre vie, et on continue à porter le même fardeau. Tout le temps. Et Dieu sait que ce fardeau est lourd parce que nous portons tellement de casquettes différentes. Oui. Et sans nous en rendre compte, nous développons une compétence qui est celle de l'organisation. C'est-à-dire, les femmes sont extrêmement créatives pour trouver des solutions et exécuter toutes les tâches, toutes les responsabilités que la société leur fait porter en tant que mère, en tant qu'épouse, et dans une culture où on est polygame. Oui. Moi, je me dis, au fond, le jour où les femmes en auront assez de la polygamie, ce système disparaîtra. Mais comment on peut en avoir assez, sachant que de plus en plus, moi je trouve des femmes plus jeunes que moi, qui aujourd'hui me justifient la polygamie par le fait que ça leur permet de pouvoir avancer dans leur carrière, parce qu'elles n'auront que 2 jours pour s'occuper d'un homme sur 7. Oui, absolument. Comment on fait? Ça me fait penser à une conversation que j'avais eue, je devais avoir 15-16 ans. Oui. Avec une jeune fille de mon âge. Mm-hmm. Donc, on discutait et tout. On était très romantique et tout. Et puis, on faisait nos rêves là de quand on sera grande et tout. Qu'est-ce qu'on souhaite comme mari. Et donc, chacune d'entre nous décrit son ménage rêvé. Et puis, elle nous dit, moi, mon rêve, c'est d'être 3e épouse. Mm-hmm. Donc, on l'a toute regardée. On lui dit, mais pourquoi? Elle me dit, parce que je vois trop de cas autour de moi de femmes qui ont soutenu leur mari, qui se sont battues, qui se sont sacrifiées toute leur vie, et qui, un peu comme Maria Amaba dans Une si longue lettre, se réveillent un jour et voient que leur mari a pris une co-épouse. Et ce chagrin, ce sentiment de trahison, elle dit, moi, ça, je ne pourrais pas le supporter. Oui. Et elle nous dit, être 2e épouse, c'est compliqué parce que c'est par la 2e épouse qu'un homme devient polygame. Oui.
Et ça, vis-à-vis de la première, vraiment, je ne serais pas à l'aise. J'aurais l'impression d'avoir cassé quelque chose. Bogumotoy, je ne veux pas briser le ménage de qui que ce soit. Mes troisième épouses, Li d'abord, Nyakoma Faida. Ce sera, si j'épouse, si je suis en troisième rang, c'est que le gars, il a les moyens. Oui. Donc, quelque part, je serai à l'abri. Mm-hmm. La première épouse, elle aura déjà l'habitude, puisqu'elle a déjà une, elle est dans un ménage déjà polygame. Voilà. La deuxième, elle n'a que le droit de se plaindre. Mm-hmm. Elle n'a aucun droit de se plaindre. Non. Elle n'a que le droit de se taire parce que c'est elle qui a rendu un homme polygame. Donc moi, de ce point de vue-là, je n'aurai pas de sentiment de culpabilité ou autre. Et comme tu viens de le dire, elle nous a dit, son dernier argument, c'est en plus, le monsieur, tu n'as à t'en occuper que 2 jours maximum dans la semaine, quoi. Et le reste du temps, tu es bien, tu es libre et tu vis à ton rythme. Et à l'époque, ça m'avait paru, ça me paraît toujours cynique, oui, mais tellement réaliste. Oui, il y a tout dedans, en fait, dans cette approche-là, il y a tout dedans. Il y a le cynisme, il y a le réalisme de ce qu'est la société, mais il y a aussi un certain fatalisme de « je ne peux pas le changer ». À partir de ce moment, j'utilise munitions en ma possession. C'est ça. Et je fais avec. C'est comme une autre... qui me disait, là c'était une grand-tante qui disait, alors c'est difficile de le traduire en français, mais on peut le dire en wolof, voilà, c'est dom buldof ala lu gor jigen kay lek kon nak xamal yo sa wal nu mu ci tollu budul ndem di jabaram ba muy ciorom mam muy jigenam kon nak bo fi nekké ñak fayda nan da ngay 50-50 da nga da nga indépendant yakay yek yar sey dom dara ayul ci beus bo ci tolo beus boy sey fexé ba sa alalu jeuker nga am ci wal bu ko waw bu ko jar waw. Et ça aussi, quand je pense à toutes ces leçons et puis également attention, ton premier mari c'est ton métier, c'est ta source de revenus. Si après tu as un mari, très bien, ça va. Sinon, tu maintiens ta dignité. Oui. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a porté. C'est-à-dire, c'était de l'ordre de l'évidence. Je ne comprends pas les femmes qui se sentent sécures, en sécurité, à dépendre du revenu que leur donne leur mari. Et bon, de toute façon, c'est là, on le voit tous les jours. On le voit, on le vit. Le sentiment que j'ai, c'est que bon, ça ne va pas. Bon, c'est pas très gentil, mais pour moi, l'homme est là pour perpétuer l'espèce et la femme pour la protéger. Oui. Donc forcément, nous n'avons pas les mêmes comportements. Donc un homme, il va avoir besoin, et souvent pour renforcer son sentiment de virilité, il va avoir besoin de conquête. Une fois qu'on est conquise, qu'on est dans la poche là, mais c'est vrai, il y a peut-être une habitude, un attachement sentimental, mais voilà, il y aura toujours ce truc là de tester sa virilité, voir ce qu'il vaut.
leur dire en fait que ce besoin-là de sortir qui ne leur est pas, qui n'est pas propre à leur genre, est-ce qu'on doit leur dévoiler ce grand mystère-là aux hommes ou pas? Parce que je crois que c'est l'éducation que nous recevons en tant que femmes qui va faire que nous n'allons pas explorer forcément ces pistes-là. Oui, mais ce dont nous devons avoir conscience aussi, oui. femmes, c'est que nous sommes le sexe fort. Oui. Nous sommes le sexe fort. Je pense que, et c'est mon intime conviction, oui. Si on comprend que nous n'avons pas le même cerveau, nous mm-hmm. n'avons pas la même manière de, mm-hmm. de raisonner, nous ne communiquons pas de la même de la même manière. Mm-hmm. Je crois que ça apaise les choses parce qu'on part souvent sur des malentendus et je me dis avec le temps, avec la sagesse, je crois qu'on accepte plus facilement certaines situations. Par exemple, je me souviens d'un dîner que j'avais avec c'était des diplomates européennes. Mm-hmm. Et l'une d'entre elles s'est mise à critiquer violemment la polygamie. Mm-hmm. Et ça m'a paru très déplacé parce que, oui. Quand on est chez autrui, il faut éviter de juger ce qu'on ne connaît pas, mm-hmm. ce dont on est étranger. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, vous savez, à titre personnel, mm-hmm. je trouve que c'est très dur de devoir partager l'homme qu'on aime avec quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Mais d'un point de vue social, mm-hmm. ce système est beaucoup plus dignifiant pour les femmes que votre système à vous, occidental mm-hmm. et occidentaux, où de toute façon, l'homme, quelle que soit la couleur de sa peau, sa culture, il reste le même. Hein, mm-hmm. Il est géré par ses hormones. chez vous, un homme va être polygame. Mm-hmm. C'est juste la relation juridique qui va être différente. C'est ça. La co-épouse, entre guillemets, elle est clandestine. Mm-hmm. Elle se cache. Et ses encore. Enfants sont illégitimes et n'ont aucun droit, alors que véritablement, un enfant n'a jamais fait de tort à personne. Il n'a jamais demandé à venir au monde. Mm-hmm. Dans notre culture, on permet à un homme, et puis on permet également, quand le ménage ne se passe pas bien, ne se porte pas bien, mais qu'il y ait une voix qui me paraît quand même plus digne, quoi, mm-hmm. plus que de se cacher, de se dissimuler. Mm-hmm. Et les femmes qui sont dans un ménage polygame, elles bénéficient d'une protection, elles sont respectées socialement, leurs enfants ont un statut. Mm-hmm. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de critiquer ce que vous ne connaissez pas. Notre critique, nous la faisons de la polygamie et nous ne sommes pas tendres envers cette polygamie-là. Voilà. Mais il faut éviter le regard extérieur. Et ça, c'est d'autant plus dangereux que souvent on a tendance à mm-hmm. se définir par rapport au regard d'autrui. Oui. Et à ce moment-là, c'est mort, c'est fini. Plus jamais on ne peut mm-hmm. aspirer à... avoir sa propre vision mmh. indépendante et à vivre une vie véritablement épanouie. Mmh. Ça, c'est un des pièges dans lesquels nous sommes tombés, à accepter le regard, l'opinion que les autres avaient de nous. Et ça aussi, c'est très tôt. Je me souviens, mon grand-père m'avait dit un jour, mais tu sais, ma fille, si quelqu'un grimpe en haut de la colline et se frappe la poitrine... en te montrant du doigt, toi qui es en bas de la colline, là, mm-hmm. et en disant « je suis plus beau, je suis plus fort, je mm-hmm. suis meilleur que toi mm-hmm. », il dit « mais c'est son droit le plus absolu, il exprime mon opinion, tout le monde a droit à une opinion ». Clairement. Il dit « mais cette opinion, elle ne te concerne pas ». Non. Elle ne... comment dire ? Elle ne t'impacte pas, elle ne concerne c'est ça pas mon moulot. War de cool, fomoudium. Fimoudioge le tout ça, non ? Donc, war dunia, war... mais... Pourquoi est-ce que ça t'émeut mm-hmm. Cette personne exprime ce qu'elle croit. Mm-hmm. Tant que toi, tu n'y crois pas, mais mm-hmm. il n'y a aucun problème. Oui. L'essentiel, c'est de toi avoir ta propre image et ta propre opinion de qui tu es, ce que tu vaux. Et il me dit,
la pire des trahisons qu'on puisse faire à son ascendance, c'est de ne pas lui donner le rang qu'elle mérite et de considérer que tes ancêtres sont inférieurs aux ancêtres d'autrui. Oui. Et ça, là, ça, par... j'en fais un point d'honneur. C'est vraiment une manière non seulement de respecter toute la lignée qui m'a amenée où je suis aujourd'hui, mais respecter l'être humain que je suis également. Ainsi de suite. Et c'est super important. Et en parlant de parents, de grands-parents, de grandes-tantes que nous avons évoquées ensemble, est-ce qu'il y a une place quand tu étais petite? Est-ce qu'il y a une place? Est-ce que tes parents rêvaient que tu deviennes ci au lieu de ça? As-tu à un moment de ta vie décidé de t'opposer à, on va dire, un chemin tracé ou pas? Non, j'ai vraiment eu cette chance que ni dans mes fréquentations, ni dans mes choix académiques, je n'ai eu la moindre contrainte. Et ça, c'est, je le percevais comme une marque de respect pour la personne que j'étais. Et puis, par ailleurs, ça aurait été un peu antinomique dans leur discours parce que quand j'étais enfant, ma mère nous a surprises un jour à nous moquer d'une bonne. Et puis, bon, en fait, on se moquait d'elle. On avait pratiquement le même âge. Elle était juste... Aïssata, elle est partie, elle avait 14 ans. Nous devions en avoir 9 ou 10. Et ma mère nous a bien corrigés en nous disant cette femme-là gagne sa vie à la sueur de son front en exerçant un métier honnête. Le jour où vous en ferez autant, vous pourrez vous permettre de juger de son statut ou de... Mais tant qu'elle est sous mon toit, vous lui devez le respect en tant qu'aînée. Et donc, il n'y a jamais eu ce... voilà, il faut que tu ailles dans telle voie. Pour... C'était au contraire. Quoi que tu fasses. Et ça aussi, ça fait partie de mes souvenirs. Parce que je me disais quand j'étais enfant... Quoi que je fasse plus tard, et je n'avais pas véritablement de... Enfin, ma vocation, j'ai vite réalisé qu'elle n'était pas réaliste, c'était d'être générale de l'armée du Sénégal. Et puis, en grandissant, j'ai réalisé que l'armée du Sénégal n'acceptait pas les femmes. Ça, c'est un problème. Mais je me disais, même si je devais être vendeuse de tiaf, je vendrais mon tiaf dignement de Kandoumatière. Exact. Donc... il n'y a pas eu d'orientation de tu devrais faire tel métier ou tu devrais fréquenter tel milieu ou être avec telle personne, mais c'était si tu estimes que quelque chose vaut la peine d'être fait, mets-y tout ton cœur, toute ton énergie et fais-le bien. Du mieux que tu peux. Exact. Voilà, fais-le. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai créé mon cabinet parce que. J'ai créé mon cabinet l'année où j'ai accouché. J'ai accouché en janvier, j'ai ouvert le cabinet au mois de mai. Mais parce que... Je vais arrêter de me plaindre. C'est bon, c'est mes mots à moi-même. Zoupita, arrête de se plaindre. Parce qu'entre les deux, mon père, à un moment... Donc, je faisais des petites missions. Et mon père m'a appelé, c'est quoi ton projet professionnel? J'ai dit, c'est bien, je vais faire freelance, avoir des missions. Parce que j'avais gagné une mission que j'avais faite. J'avais rédigé mon rapport sur la table de ma cuisine. Et c'est sa secrétaire qui avait tapé le rapport, ainsi que ma facture. Et c'est comme ça qu'il a été au courant. Et donc, il me dit, mais comment est-ce que tu... Je lui dis, mais c'est super. Je vais être freelance, là. Je vais... Il me regarde et me dit... Samoromi, qui exerce ce métier, ils le font de façon structurée, en ayant pignon sur rue. Alors, tu vas t'inspirer d'eux et faire la même chose. Et je lui avais dit, mais je n'ai rien, je n'ai pas de moyens, moi, je n'ai pas de capital, comment veux-tu que je m'installe et que...
Il m'avait répondu, tu fais le premier pas, le reste est l'affaire de Dieu. Mm-hmm. Mais toi, la falsa warugar. Waouh. Lui, je me dis, voilà, maintenant, voilà les fonctionnaires qui se mettent à donner des conseils en entrepreneuriat alors qu'il n'y connaît rien. Oui. Puisque je n'ai pas osé dire mm-hmm. non, donc je lui ai dit oui, oui, d'accord. Je me suis dit, voilà, je vais prendre un local. Mm-hmm. Quand j'aurai aligné 3 mois d'impayé de loyer, mm-hmm. il comprendra la vie, quoi. Il comprendra ce que j'essayais de lui... Oui, que l'entrepreneuriat, ce n'est pas comme ça. Que ce n'est pas comme ça, on ne se... Et j'ai fait ce qu'il m'a dit, et bon, voilà où je suis aujourd'hui, mais littéralement, et ça vraiment, c'est... Son conseil, là, fais ce qui est de ton devoir et le reste n'est pas ton problème. Tu ne te rends pas compte. C'est un conseil que je connais, mais j'avais besoin de l'entendre aujourd'hui. Pour plein de raisons, parce que cette semaine a été particulièrement difficile pour moi au niveau entrepreneuriat, etc. Et je ne pensais pas que je pourrais avoir ce déclic-là dans cette conversation. Et avant-hier, par exemple, je ne suis pas sortie de mon lit toute la journée. Je suis restée au lit. J'ai appelé mon mari, j'ai dit, aujourd'hui, c'est un jour sans. Je ne vais pas y arriver. J'accepte qu'aujourd'hui, c'est un jour sans. Mais là, que tu m'aies rappelé que de faire le premier pas, de continuer à le faire et que le reste va venir, merci pour le rappel. Je sais que c'était, voilà, mais moi, j'en avais besoin aujourd'hui. Et certainement, quelqu'un qui nous entend avait besoin d'entendre ça. Merci pour le rappel, ça me va droit au cœur. Non, écoute, j'en suis ravie parce que moi aussi, c'est souvent dans des moments de découragement profond oui. que j'ai pu trouver la personne qui m'a permis de me rebooster un peu, de remettre un pied devant l'autre. Oui. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir pourquoi on fait ce qu'on c'est fait ça. Et de savoir où on va, où est-ce qu'on a envie d'aller. C'est vrai. Et là, quand même, j'avoue, je n'aurais probablement pas fait la même carrière ou entrepris les mêmes choses si mm-hmm. je n'avais pas été maman. Oui. Il y a des matins où c'est la pensée de mes enfants qui mm-hmm. m'a fait sortir du lit. Oui. Et ça, je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est mm-hmm. le cas. Et ça peut être soit vos enfants, soit vos parents âgés, soit quelqu'un dont vous vous occupez, mais exactement. Toujours dans un projet qui vous dépasse, oui. qui est plus grand que totalement. Qui est plus grand que vous. Et je pense que les femmes ont plus cette sensibilité, cette tendance là, mm-hmm. qui les porte, hein, et qui fait qu'elle crée, peut-être plus que nos hommes ici qui s'attendent à avoir... ils passent de leur maman à leur épouse. Je leur dis, voilà, les Sénégalais sont sont gâtés. Hein. Et j'ai une très bonne amie qui dit que si elle devait se réincarner, en tout cas dans sa prochaine vie, ce serait un homme sénégalais. Mais moi, quand j'étais petite, je disais, je veux être un garçon, je veux avoir les mêmes droits, les mêmes privilèges. Elle dit, à sa prochaine réincarnation, elle sera un homme sénégalais. Et puis on passe à autre chose. Écrivez-moi, papier à lettre, rendez-moi la réponse. C'est Bengo Chica, attaché l'amitié. Voilà, bouton de rose qui a dit 2 mots d'amour. La philo, la philo, oh philo. Moi t'es assise à souban la savane. Ma organi assise à côté moi. En 10 étoiles brillées au firmament. C'est des ciels en moins qui caillent éclairer moi. Philo. Oui, on a ça et quitter le confort et la sécurité d'un salaire qui tombe à la fin du mois, plaquer presque une vingtaine d'années de carrière en ce qui me concerne pour pouvoir se lancer dans une aventure complètement qu'on qualifierait de complètement folle, même si elle est ambitieuse, et ça a un coût. Ça a un réel coût, mais comme tu viens de le dire, en fait, je crois qu'au-delà de moi, c'est important pour moi de léguer quelque chose. Absolument. Et oui, c'est très clair de savoir le
pourquoi de ce que tu as. Il est clair. Parce que c'est ce sens-là qui va te donner le courage et la force de continuer. Oui. Et dis-toi que tant que moi, enfin moi, en tout cas, c'est ce qui m'a porté. Mm-hmm. Je me disais, je ne veux pas mourir aujourd'hui. Enfin, quand je disais je, mm-hmm. c'était par rapport à mon entreprise. Mm-hmm. C'est pas aujourd'hui. Mm-hmm. Ouais. Tant qu'il me reste un souffle de vie, c'est que j'ai un souffle mm-hmm. d'espoir. Mm-hmm. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a porté en me disant, mais je n'ai rien fait de mauvais ou de, ouais. qui justifierait que ça ne se passe pas bien. Que ça ne se passe pas bien. Donc, voilà, j'y crois, quoi qu'il arrive, de manière complètement obstinée, mm-hmm. j'y vais. Mm-hmm. Et puis, Inch'Allah, et je me rends compte, voilà, c'est que c'est à des moments où on s'y attend le moins, que le petit miracle là se produit et vous pousse et on continue un peu à plus en avant. Mais vraiment, une des principales forces, c'était que c'est pas pour moi que mm-hmm. je fais ça. Oui. Et donc, chaque fois, il y a des moments où, bon, par exemple, ma décision de rejoindre le réseau international de l'Ouattes, c'était mm-hmm. mais s'il m'arrive quelque chose, mm-hmm. Comment mes salariés vont s'en sortir ? Oui. Comment j'ai tant de pères et de mères de famille derrière moi, et c'était vraiment à la fois une source d'anxiété mm-hmm. et puis finalement une source de créativité, parce qu'il fallait tout le temps trouver des solutions, faire en sorte que ça puisse fonctionner. S'il ne s'agissait que de moi, si j'avais mm-hmm. été en libéral pur, jamais je n'aurais... oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Et je crois que ce sont, comme tu dis, sont nos enfants, les personnes avec qui nous travaillons, mm-hmm. les personnes que nous embarquons dans nos projets, même nos propres parents qui nous regardent de loin avec la peur au ventre. Voilà. Moi, je crois que pendant un an, ma mère n'a pas arrêté de me dire « mais t'es sûre de ce que tu es en train de faire ». Donc oui, ça fait du bien et on a besoin de l'entendre. Oui, et puis, mm-hmm. et puis d'être... d'avoir de la compassion pour soi. Oui. Hein, C'est le plus dur, je crois. Hein, pendant les moments où on a vraiment... Voilà, on a fait une grosse bêtise, oui. on a échoué dans quelque chose, on a fait une erreur, oui. on a... voilà, accepter que on est des êtres humains et que c'est souvent comme ça qu'on progresse. Mm-hmm. L'impact d'une erreur sur votre construction professionnelle, mm-hmm. sur votre acquisition de sagesse, mm-hmm. est mille fois plus puissant que l'impact d'une simple réussite. L'une à point. Et comme disait Nelson Mandela, je ne perds mm-hmm. jamais. Soit je gagne, ou j'apprends. Ou j'apprends, exact. Et ça, on a tendance aussi, quand on fait son... Mmh. J'ai cette parabole là de dire, mais arrêtez, quand mmh. on vous montre un donut, mmh. tu sais, les beignets là avec le trou. Au lieu de voir le beignet, vous ne voyez que le trou. Non, mais c'est important. Mais c'est vrai, ouais. on est rien que le fait de se réveiller le matin mmh. Avec tous ses membres en bonne santé, mais c'est. Une raison de remercier un million de fois le bon Dieu. Oui. On ne se rend compte de l'utilité, comme disent les Wolof, la tangeham nyerinyuta tokjoto. Mais c'est ça, on ne se rend pas compte. Oui. Et on est tout le temps focalisé sur ce qui ne va pas, sur ce qui vous manque, sur mm-hmm. ce qui... Et on ne voit pas tout l'univers qu'on a de positif. Oui. Et ça... ça détermine complètement la qualité de votre vie, quoi. Clairement. Et ça fait quoi d'être maman, de lancer une entreprise en même temps, d'être nouvellement maman, de lancer une entreprise en même temps, d'avoir des nuits incomplètes, etc. On fait comment ? Tu sais, ça me fait penser quand tu dis nouvelle maman. À mon retour de maternité, mm-hmm. quand j'ai accouché de mon fils aîné, mm-hmm. donc, on a fait le baptême et tout à la clinique. Et puis, je suis allée directement de la clinique à la maison. On m'avait appris
à doucher, enfin, laver le bébé, lui donner son bain et tout. Et donc, j'ai fait ce qu'on m'avait appris, sauf que ce jour-là, le nombril avec le capot, la pince est tombée. Oui. Je soulève mon bébé, puis la pince, ça a été la panique. Je l'ai ramassé, j'ai essayé de le... Et puis, à un moment, je me suis dit, ouais, mais... Et j'ai compris. Mais en même temps, c'était, mais on ne va pas me laisser toute seule avec ce bébé. Oui, la responsabilité de cet être humain. C'est, attention, je ne peux pas. Et par la force, par la force des choses, donc cet enfant, voilà, j'ai trouvé, j'ai appris. Bon, c'est vrai que dans nos sociétés, là, on joue beaucoup avec les bébés des, les bébés des autres. On les met, oui. Et puis, il y a tout l'entourage. Ce que j'aime beaucoup dans notre société, en tout cas celle dans laquelle j'ai grandi, c'est que j'ai toujours été entourée de femmes très bienveillantes. Il y a toujours de l'aide. C'est mes sœurs, c'est ma mère, c'est mes tantes, c'est mes grand-tantes, c'est les femmes qui travaillent pour moi. Donc, je pense que toute seule, vraiment, on ne peut pas faire les choses. J'en suis convaincue. On ne peut pas. On s'appuie sur un réseau qui est familial, qui est professionnel, qui est amical, pour trouver la force de réaliser les choses ensemble. C'est important. Et ça aussi, une des bases de mon éducation, c'est chaque fois que tu fais partie d'un groupe, d'un ensemble, donne-toi à fond pour la réussite de ce groupe, sans chercher à savoir qui portera le chapeau à la fin. Parce que si le groupe réussit, s'il s'élève, toi qui es dedans, tu es en train de t'élever en même temps. Et l'image de ma mère, c'était quand un paquebot quitte Dakar, le port de Dakar, pour aller à New York. Au moment où il débarque à New York, même les rats qui étaient dans la cale du navire ils arrivent sont à New York. Donc, et c'est rare. Américain, un pauvre. Mangok, ces rats-là ont intérêt à ce que le bateau arrive à destination. Tout à fait. Tout à fait. Ça, je pense que, bon, j'en reviens, je suis féministe et je l'assume, mais c'est parce que j'ai vu, de mes yeux, vu des manières de fonctionner qui permettent d'arriver mieux à un meilleur résultat. Nous, là, Sénégalais, nous jouons individuels. C'est comme une équipe de foot. Où il n'y a que des stars et qui refusent de jouer à un jeu collectif. Où c'est moi, c'est moi la star, c'est moi qui dois être vue. Donc, pas question que je passe la balle à mon voisin. C'est très masculin. Les femmes ne fonctionnent pas comme ça. Nous sommes toutes dans des tours, des associations, dans des GIE, de transformer. Les femmes, en général, quand une tâche doit être accompli, ce n'est pas une seule faute. Non. S'il y a d'autres femmes, elles viennent aider, automatiquement toujours. L'aider. Moi, je me souviens de tout temps, quand on allait Yendou, quelque part, on partait avec des habits de rechange, parce que tu t'habilles bien là, en partant, c'est en ça. Partant. Tu arrives, Simeko. Et tu te changes. Soliri Yendou. Oui, exact. Et tu vas à la cuisine. Oui. Et tu aides. Et tu vas, il y a Arau, il y a Blé, Popo. Et ça, c'est le... C'est automatique. C'est normal. Et donc, nous avons cette habitude-là de fonctionner de manière collective. Les cérémonies familiales, bon, c'est vrai que ça a été dévoyé maintenant. C'est dommage qu'il y ait tous ces gaspillages-là. Mais les femmes ont mis en place des systèmes mais extrêmement créatifs et ingénieux pour chaque fois s'assurer de la prise en charge de... des dépenses, des cérémonies qui sont gérées exclusivement par les femmes. C'est ça, c'est exactement donc, ça. Donc, je crois qu'il y a vraiment des leçons à en tirer. Comment est-ce que j'ai pu faire ? Eh bien, je me suis appuyée sur mes réseaux. Mes sœurs ont toujours été là, ma mère aussi, les femmes de ma famille. La personne qui était la plus stratégique sous mon toit quand j'avais des bébés, c'était la nounou. Si elle n'était pas là, ça changeait tout pour moi. Mais complètement. Non. Voilà, moi je pense que c'est...
C'est ce que les femmes maintenant appellent, qu'elles ont mis en place un support système. J'ai mon support système, sauf que le support système existe depuis très longtemps dans notre société. Par contre, il se délite. Mais Alors, il se délite de par la vie urbaine. Oui, c'est ça. Et de par cette urbanisation effrénée là, qui fait que les liens ont tendance à se distendre. Ils se sont distendus, voilà. Clairement. Nous devenons de vrais mutants, et c'est intéressant d'observer ce que ce sera dans une dizaine ou une quinzaine d'années. Mmh. Alors Tiaba, nous arrivons presque à la fin, et je finis toujours avec deux questions, mais aujourd'hui j'ai une variante. Avant de poser mes deux dernières questions, je me suis dit il y a quelques jours qu'on ne pouvait pas aller rendre visite à quelqu'un qui vous ouvre sa porte, sa maison, sa vie, son parcours, et en y allant les mains vides. Et donc, avec certaines personnes, des amis, quand on parlait de ce réseau de femmes, certaines personnes ont accepté de me dire « Ok, d'accord, de quoi as-tu besoin ?» Et j'ai commencé à dire « J'ai besoin de telle chose, de telle nature, de telle sorte, en fonction de la personnalité ou de ce que je perçois de la personne. » Et j'ai commencé à recevoir des présents à offrir, justement, à ces femmes-là. Et j'en ai un avec vous. C'est beau, ça. Oui. Offert par Malice Léo. Et j'espère qu'il va vous plaire avant qu'on passe aux deux autres questions. Voilà. Vous pouvez l'ouvrir, hein, y a pas de souci. Oh, c'est magnifique. Waouh. Merci beaucoup, Zoubida. Ça me fait très, très, très plaisir. Je vais les traîner. Je crois que l'arrière va vous plaire beaucoup, beaucoup. C'est magnifique. Alors, c'est une tunique longue en lin. Exact. Avec des motifs floraux. Vax. Exactement. Et puis de la broderie. Oui, c'est ça. Marie-Étou fait un très, très, très beau travail. Elle a commencé ce travail magnifique. Il y a une dizaine d'années. Et depuis 10 ans à peu près, je suis ce qu'elle fait. Et chaque année, elle fait de très belles choses. Ça irait très bien avec un jean, ce qu'on veut en fait. C'est magnifique et c'est une tellement belle surprise. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Et transmets mes remerciements. À Marie-Étou, sans faute, je lui dirai. Je lui dirai sans faute. Et mes félicitations parce que c'est ravissant. Merci. J'espère qu'il vous ira. Mais dans tous les cas, on pourra le faire changer au besoin. Mm-hmm. Alors, pour finir, j'ai toujours deux dernières questions. Et la première, c'est aujourd'hui. Trouves-tu que tu as ta place? Oui, alors, je me suis toujours créée... je me suis toujours créée ma place. En fait, comme dit mon père, je suis venue au monde avec un sourire. C'est superbe. Donc, quelle que soit la situation, je finis toujours par me creuser mon petit trou. Parfait. Et je suis... heureuse et reconnaissante d'être qui je suis, où je suis, au moment où je suis. Vraiment, c'est génial. J'essaie à chaque moment de vivre l'instant présent de la manière... parce que ça aussi, j'ai appris qu'il n'y a rien de pire que des regrets. Bumayogun. Et donc, quand les choses... On se rend compte, on se dit, c'était le bon vieux temps. Oui. Moi, je ne veux pas penser que c'était le bon vieux temps sans avoir profité du temps, bon temps, du bon vieux temps. Où il se... Donc, est-ce que je me sens à ma place? Ça, en revanche, ça vient de base avec ma nature. Et la toute dernière question, qui à chaque fois que je la pose fait « Si tu avais 20 ans en 2022, qu'aurais-tu aimé savoir ?» Je vais changer un peu ta question, c'est... Qu'est-ce que j'aurais dit à la version Tiaba de toi, à ma version de moi qui a 20 ans, tout ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est de croire en soi, c'est qu'on est des êtres extraordinaires. Nous sommes des géants qui nous voyons par le petit bout de la lorgnette comme des nains. Si la vie m'a appris quelque chose, c'est ça. C'est que tout ce que je n'ai pas eu, c'est que je n'ai pas osé aller le chercher. Mais quand on veut quelque chose du fond de son cœur, il ne faut pas s'interdire. Déjà, la sagesse Wolof, c'est mais avoir son aspiration, et donc à toutes les jeunes de 20 ans, là, aujourd'hui, il faut avoir une aspiration. Il faut avoir des rêves puissants.
qui vous porte et qui vous motive à faire des choses. Et il ne faut jamais rien s'interdire. Si le bon Dieu l'a donné à Mademba et Malamine, il n'y a pas de raison qu'il le refuse à Mapenda si oui. Mapenda le veut vraiment. Exactement. Donc oui, moi s'il y a une leçon que j'ai apprise, c'est de ne jamais, jamais, jamais brider ni ses rêves, ni son ambition, d'y croire très fort et puis d'y aller, quoi. Merci beaucoup, Tiaba. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de me recevoir pour Conversation Féminine. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, Zoubida. Vous écoutiez le podcast Conversation Féminine. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Si ce n'est pas encore fait, allez sur Apple Podcasts, abonnez-vous et laissez-nous un avis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle conversation. Dans ma vie,